derrière le rideau, dans la coulisse, l'oreille basse et la mine allongée. Parce qu'ils ont entendu dire qu'on nous faisait le reproche de ne donner que des comédies qui sentent le vieux, le réchauffé et le moisi. Restez calmes, bonnes gens et braves spectateurs. Laissez-moi seulement vous faire cette promesse. Nous allons vous donner des comédies nouvelles. Elles n'ont jamais été jouées. Ne me demandez pas comment nous avons pu trouver des comédies nouvelles. Quand il pleut, après une longue sécheresse, vous dites « C'est une pluie nouvelle. » Et pourtant, toujours la pluie fut de l'eau, et toujours l'eau fut de la pluie. Un vieil habit revient souvent à la mode. Avec du vieux, on fait du neuf. Vous allez voir des cas inattendus. Vous entendrez des bêtes, des portes et des oiseaux. Parler en vers et mériter des lauriers, des palmes. Vos serviteurs, les comédiens, sont prêts à paraître. J'aurais bien envie de vous conter l'histoire de cette pièce, mais j'ai peur que vous ne me forciez à battre en retraite avec des cris, des sifflets, des tomates et des œufs pourris. Le titre de cette pièce, c'est « Le monstre bleu ». Bleu turquoise, un bleu à la mode turque. Qu'est-ce cela? Je ne regrette pas ce que j'ai dit, je l'ai dit. L'histoire se passe dans la Chine ancienne, dans le royaume de Nankin. Venez au théâtre avec vos grands-papas et vos grands-mamans. Et si on pouvait voir dans ta culotte, sûr, on y verrait des choses. Suffit ton baratin, bavard de vénitien, à cette parlotte. Qu'est-ce que tu veux avec mes histoires de culotte? Un comble quand on s'appelle pantalon. Te faire la morale, mon garçon, et répéter sur ton dos mon petit sermon. Oui, ton petit sermon. Ça prend des plombes. Là, 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 tu le vois, là, 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 la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la monstre bleue. Je n'ai pas fini, mon neveu, mais soit, je te dirai la suite une autre fois. Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut.